Salut les voyeurs. On est ici à Paquebot. Bien. On prend la direction de Baolac. C'est parti, là, t'es lancé, là, t'es à fond. Hein. Oui, il paraît que c'est la plus belle route du Vietnam, du Nord-Vietnam. Une des plus belles, maman. Il y en a certainement d'autres, bien d'autres, je pense, mais une des plus belles, ouais. J'espère que lundi va réussir. Hein. Ouais, là, ça va monter en lacet. Lacet. On a environ 75 km, bah, comme hier. Oui. Mais la différence, c'est où? Bah, c'est qu'on roule plein ouest, carrément, là. Ah oui, c'est important. Donc du coup... Bah, on peut parler plus au nord, après c'est la Chine, donc... Oui, on va être sympa. On va vous mettre une carte. On a relié des points déjà. Toc, toc, toc. Et voilà, à l'occasion... Jusqu'ici. Voilà, on vous rajoutera les points. Voilà, comme ça vous verrez le parcours. C'était pas compliqué. 1, 2, 3, 4. Mais bon, on est sympa. Mais c'est fait. On dort bien sur ces tatamis, en fait. On s'est habitué à ça. Hein. On a découvert ses premières literies, c'était au Népal, tu te souviens? Oui. On a continué chez Annie lorsqu'on a dormi par terre dans son salon. C'était encore un peu plus sec, là, même. Hein. Oui. Mais on s'y fait. Hein. À part trois cervicales, ça se passe super bien. Non, mais encore une fois, les oreillers, ils étaient top. Donc, ça va. On s'en sort. C'est quand il y a tatami et l'oreiller, c'est une brique, quoi. Alors là... Et puis, l'avantage, c'est une route en cul-de-sac. Ici, finalement, il y a trois véhicules qui passent toutes les 5 heures. Ah, c'était calme, très, très calme, bien sûr, parce qu'après c'est le site et on peut pas y aller, donc... Donc voilà. C'était une bonne idée, en fait, on n'est pas trop mal ici. Bon, t'es pas vraiment wiki? Il est 9h. À la bonne heure. Ouais, et il n'y a plus qu'à tester cette magnifique route. C'est bon? T'es bien coiffé? Ah oui, t'as non, bien fait de t'arranger, dis donc. Je vois bien que c'est pas bon. C'est encore pire. Oh, le pop-corn. Oh, la tête de pop-corn, trop fort. On s'en fout. Bon, tadam. Alors c'est quoi? Des petits gâteaux, des petites gaufres aux œufs. C'est très très bon. On fait reposer lundi, hein, parce qu'elle a bien monté déjà. Ouais, ouais, c'est... Et on a fait quoi, 25 km, mais on a fait deux cols déjà. Oui. Ouais, à 10%, un peu plus même parfois. Ouais, ça monte pas mal, mais ça va quand même pour l'instant. Les paysages sont grandioses. C'est magnifique. La végétation a légèrement changé, hein, puisque maintenant c'est de la montagne, comme vous pouvez le voir ici. Vas-y, Wiki, fais un petit tour du proprio. Un tour du proprio, c'est bon, quoi. Ça va, Wiki. C'est sec tes trucs là, j'y arrivais pas à avaler. Non mais, wow. Je voulais filmer en direct ton étouffement qu'on pense pas que ce soit moi qui t'ai assassiné. Je cherchais le dos, je sentais que ça allait pas descendre quoi. Ouais, j'aurais pu mourir là, maman. Non mais sérieux. Wiki, vite, il y a la police qui nous encercle. C'est pas qu'il y a la police qui nous encercle, c'est que... Le bus a la même direction que nous, donc il faut qu'on reparte avant lui, sinon on va se retrouver coincé derrière. Quoi. Allez, vas-y, go. Attends. Ah là là, super. Hello. Hello. Tinka. Hello. Tamnet, thank you. I got a running tab, it's done run away. Sometimes I think I'm whistling past the graveyard. Last night I got so drunk, I didn't even know my name.
Bon, c'est l'heure de vérité, Mamou. Ouais. C'est face à nous, 13% la cote. Enfin, on peut s'arrêter boire un coup. C'est une blague ou quoi? On s'est arrêté pour manger des petites gaufres. Ouais. On s'est arrêté aussi, j'ai fait voler un peu le drone. T'avais pas deux mots à nous dire sur le drone? Je sais pas ce que ça va donner le drone, on verra bien. Ouais, bah, comme d'hab, hein, c'est compliqué. Si les images sont bien, on les mettra, sinon tant pis. Le drone, oui, on peut en parler un petit peu. Donc, bah, vite fait. Oui, mais au Vietnam, c'est assez compliqué pour faire voler un drone. Il vous faut une autorisation spéciale pour voler, on va dire un permis pour une journée. Pour obtenir ce permis, il faut faire la demande auprès du bureau opération, Mamour, ouais, du poste de commandement général du ministère de la Défense. Moi, je veux pas le commander. 14 jours, ouais. Ça fait peur en fait. Oui. 14 jours avant la date à laquelle vous avez prévu de voler. Et ensuite, bien sûr, pour remplir ce formulaire et cette demande, ce n'est qu'en vietnamien. Donc souvent, vous passez par une agence qui vous prend entre 350 et 700 dollars US. Combien? Pour une journée de vol. Une journée, ça fait qu'il pleuve, vous avez perdu votre argent et il faut... Donc en fait, je pense ne pas m'avancer un peu trop quand je dis ou quand je vais affirmer qu'au moins 90% des vlogs où on voit des vols de drones, tout le monde est dans l'illégalité. Bravo, Wiki. Mais non, mais j'en suis quasiment sûr. Qui va payer ça? Personne. Il faut savoir également que le drone ne peut pas faire plus de 11,8 kg. Bon, là, c'est déjà du méga drone. Et on ne peut pas voler à plus de 150 mètres d'altitude. Voilà. Bon, bah maintenant, c'est l'heure du café. Il est là. Il fait un peu frais quand même. Hein. Il est bon, ce café? Je crois que j'en ai un, comme tu les aimes. Je crois que je me suis mal fait comprendre quand j'ai commandé. Il n'y en a qu'un. Et voilà, Nicolas. Quand j'ai dit 3 en 1, elle a dû comprendre, il n'y en faut qu'un. Mais non, elle ne parle pas français, banane. Non, mais au départ, j'ai fait avec mes doigts, Mamour, 3 en 1. Ah, bah c'est ça. Et du coup, il a fait comme ça, 3 en 1. Elle a dû voir que le 1. C'est bon? Oui, oui, très bon. Tu partages pas, là? Non. Pas là, non. Wiki va payer. Hop. Et moi, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on n'a pas encore fini. Je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez ce panneau là? Avec tous ces lacets encore. Je sais pas si c'est très clair hein, pour vous. Mais bon. Voilà. Wiki, c'est bon? C'est ok? Oui, c'est ok. Ouais. Allez, bah ok. T'as pas perdu les clés, ça va? Ben non, c'est dans ma poche. Ah quand même, on s'arrête pour manger? Oui, 13h20, on va manger quelque chose, oui, et réfléchir. Parce que je sais pas, on est à bas au lac, nous sommes déjà arrivés. Enfin déjà, je sais pas si on va rester là. Hein. Je suis pas sûr. Ou si on trace directement sur le prochain village. Parce que c'est une grosse ville à 50 000 habitants. Ou alors on va sur Méovac. Je sais pas ce que ça donne. On va regarder ça. Allez. Avec le ventre plein. Ouais, ce sera bien ça.
Voilà. C'est bon, hein? Bah oui, t'es présentable. Je sais pas, je vois rien. T'es pas sympa, hein? Non. Alors? Ben pour ce midi, nous mangeons une soupe bien chaude. Oui, oui, mais... Parce qu'il fait plus très froid. Au poulet, on a oui, pris. Oui, au poulet. C'est toi qui as choisi, surtout. Il n'y a pas trop de choix. Du coup, on a dit deux, ben ouais, deux, alors. Tu voulais manger autre chose? Ben, je pouvais prendre au bœuf. Ah. Et oui, au bif. Cette route est très, très agréable. Ouais, ouais, c'est vraiment une belle portion. Ça roule très bien. Ça grimpe. Parfois, bien. 13%, oui. On a eu le plus... Mais on est monté quand même. Oui, il faut faire attention quand même dans les descentes, comme dans les montées, vous me direz, parce qu'il y a pas mal de gravillons. Ah ouais, il y a des gravillons un peu partout. Ouais. Ouais. Très très fin en plus. Oui, et on peut vite se casser ça la binette. Par endroits, ça fait même presque comme du sable. Oh oui, presque comme du sable. Non mais ça veut dire que tu as vite fait de chasser, c'est vrai. Oh oui, tu as vite fait de chasser. C'est bon. Ah. T'as pas quelque chose à faire plutôt que de te foutre de moi? Oui, nous sommes là pour remercier les tipeurs. Pour manger d'abord, mais aussi pour remercier les tipeurs pour manger du jour, quand même, ouais. Qui ne sont autres que Viviane et... Dominique. Bravo, Wiki. Tu pensais peut-être que j'allais me rater sur ce coup-là. Oui, alors, ils ne sont pas passés par Tipeee, ils ont claqué un Super 5. Vous savez, le cœur avec le petit dollar cool. À l'intérieur. Ouais. C'est super sympa, merci. Ben oui, c'est super sympa. Cette soupe aux nouilles. On espère que YouTube n'oubliera pas de nous reverser cet argent, du coup. Là, on ne connaît pas le système encore. Bon, venons-en au... Merci beaucoup, on se régale. Hein. Ah bah oui, ça oui, fait bien du bien, sûr. Ça fait trois jours que vous ne m'a rien donné à manger. Hier, on n'a pas mangé, hier soir. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était une volonté, hein. On ne fait pas d'économie, là. Non, j'avais pas très faim. Oui, donc, est-ce qu'on va rester ici dans ce bled? Il y a peu de chance. Ouais. Et après, de toute façon, on va commencer à arriver sur le parcours de la boucle d'Aziang. Oui. Et là, on va plus être seul, c'est fini. Hein. On commence à aller voir les routards. Les bikers. Les bikers. Donc, ils ont des trails, ils sont équipés comme s'ils allaient faire un safari. Ouais, mais pour faire la même route qu'on fait nous avec notre petit scooter. Donc, qui est je sais plus pas ridicule, eux ou nous? Moi, je sais pas. Nous, peut-être. Oh, peut-être, mais je vois pas l'intérêt d'avoir. Ils sont équipés en tous ouais, les c'est cas. Bien, ils c'est ont bien. Les bottes, enfin, non, ils sont tous équipés de pour faire la route. Ouais, on a l'impression que les mecs, ils vont faire le Dakar. Mais bon. Bon, peu importe, on s'en fiche. Donc, on va pas rester ici. Non, bon, on va manger déjà. Oui, on va manger. Allez. Bon appétit, maman. Tu veux encore parler? Il est dur, ce poulet. J'en peux plus. Oui, il est dur ce poulet, maman. Ça fait 3 ou 4 fois que tu me le dis. Mais tu me réponds pas. Mais on a des dents. Là, on croque, gars. Hop. Donc, oui, je voulais vous en parler. Vous allez vous demander pourquoi on ne s'arrête pas dans ce bled. On l'a peut-être déjà dit, ça ne nous inspire pas. Ouais, c'est une grande ville. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait sur cette boucle? Parce qu'en fait, normalement, quand tu fais une boucle, bah, tu roules pendant 5 heures, tu t'arrêtes, tu dors, tu reroules le lendemain, etc. Toute la boucle. Il n'y a rien à visiter, quoi. Non, c'est juste rouler, ouais. Admirer les paysages. Oui, là, on n'a pas un temps super, donc c'est un peu embêtant, quand même. Et quand on vient de petits bleds dans lesquels on s'est arrêté au homestay, c'est vrai que quand on arrive dans les grandes villes, on n'a pas envie de s'arrêter. Oui, mais là, c'est comme ça jusqu'à Sapin, hein. Ça va être long, hein. Enfin voilà, je voulais juste vous avertir, hein. Aujourd'hui, c'est de la route et un repas. GoPro, arrêtez vidéo. GoPro, arrêtez vidéo. Alors, t'es calmée? C'est bon? Oui, je suis calmée. Ah, non, je suis pas calmée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la soupe, au lieu de la payer 3,80€, on l'a payée 5€ et quelques. Et pour nous deux, 5,40€ pour nous deux. Au lieu de 3,80€ d'habitude. Mais parce qu'on a fait une erreur de débutant. On a pris la confiance, on ne demande plus les prix. La soupe, c'était 70 000. C'est pas tant les 70 000, on vous l'a déjà dit. C'est pas la brouette qu'on paye. C'est le fait de se faire carotte quand on ne demande pas le prix. Elle nous donne des prix de fou. 20% plus cher. Tu vois, moi, c'est pas ça que j'aurais retenu. Vas-y, tourne Wiki. Ben, je sais pas si je suis bien cadré, du mais coup. Mais oui, t'es bien. Tu es toujours dans la place. Tu c'est veux que surtout, je te dise, vas-y. C'est surtout qu'on a pris un petit café tout à l'heure. Ah oui. Avant le repas. Tu te souviens? Oui, on a pris un café. Et alors là, celui-là, c'était le plus cher, parce qu'on a payé 20 000 dong. C'est pas grand-chose, hein. Ça fait dans les 80 centimes, je pense. C'est juste qu'à 20 000, on a eu le droit à 3 en 1, de la poudre dans de l'eau chaude, alors que d'habitude, à 20 000, c'est le prix d'un café soda.
qu'on a pris hier d'ailleurs. Bien sûr. Donc là, c'est pareil, c'est un peu... C'est exagéré. En fait, on est sur la boucle. Et là, ouais. Et si on demande pas les prix, eh ben, ils nous donnent des tarifs d'Américains. C'est ça donc, il faut... Demander les prix bien avant de consommer. Faut plus le faire. T'as compris? Le pauvre petit. Hello. 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 Oh là là. Eh oui, maman. Dur, hein, la vie de la campagne. Ah, c'est pas évident pour tout le monde, hein, ça c'est sûr. C'est pour tout le monde, hein. Oh là là. Chez nous, il reste 25 km. Donc, peut-être on peut y aller, non? Attends, il y a des oies. Allez, super, on n'est pas parti. C'est bon? Oui. On peut y aller? On peut y aller. On vient d'arriver à Méhavac, Méhovac. Bien. On a fait un tour de ville, les hôtels 600 000, ça fait à peu près 23 euros et quelques. Super cher. Et là, on tombe sur celui-là, tout neuf, ils sont en train de faire la façade. Oui, ils sont en train de mettre l'enseigne. J'ai visité les chambres et ta-da ! On l'a eu à 200 000, 7 euros et des boîtes. Comme d'habitude, hein. 7,70 €. Ben, franchement, ça vaut le coup, c'est tout neuf, tout nickel. C'est mieux que le repas, hein. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Bah, tu sais comment je suis, je monte et je redescends. Ouais. Je monte et je redescends. Si tu veux monter et descendre, tu peux, regarde, pour aider, pour mettre l'enseigne. Ouais, j'allais t'en parler. Allez, c'est bon, ta mise en scène pourrie, tu peux ouvrir la porte, maman, c'est pas te frapper. Hein. Nous voici donc dans la chambre, un porte-manteau basique, simple, efficace. Un sèche-cheveux, on n'en a pas besoin, du papier cul, oui. Non, mais il y a quand même deux chaises et une petite table, ça c'est bien. Oui, c'est très très bien, tu pourras travailler. Ouais. Un grand lit avec une bonne couette, parce que ici les températures, je vous dis pas, ça caille, on est gelé. Ventilateur avec. Oui, une télécommande, parce que... Avec... Une télécommande. Oui, pour la ventilation. Oui, pour le ventilateur qu'il y a là-haut, t'as vu où est-ce qu'ils l'ont placé? Tu m'étonnes qu'il y a une télécommande. Et la salle de bain, vas-y, Wiki. Oui, j'y vais, j'y vais. Ah, j'espère que... Ah, bah du coup, on me voit. Ouais. Oh, d'accord. Allez. Hop là. De l'eau chaude, des toilettes. Et où es-tu? Hop là. Donc, on fait le petit pipi de la peur et puis on va aller se prendre un café chaud pour se réchauffer. Ouais, ouais, parce que là, ça caille. Ça caille. Allez, maman. Ouais, je vais pas faire ma chieuse, mais si, je vais le faire. Donc, faux gras ou faux beau, donc soupe poulet ou soupe de bœuf, de 30 à 35 000. Et voilà, et nous, on a payé 70 000. Le double. Carrément. Du coup, tu manges pas ce soir? Oh, un chocolat, un café tout fumant. T'en dis des bêtises sur un chocolat. Oh, ça va, j'ai fait une erreur. Un café. On a mis 7h moins le quart pour arriver jusqu'ici. 7h moins le quart, maman. Pourquoi 7h moins le quart? On est parti à 9h, on est arrivé vers 16h. Ça fait 7h. Ah,
Parce que la musique, ça me fait penser dans le film 7h moins le quart avec Coluche, avant Jésus-Christ, quand ils sont dans les catacombes. Mais c'est un carnage, maman. C'est, le film, c'est pas 7h moins le quart avec Coluche. C'est combien? Et Jean-Yann, c'est 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Oh. Et il y a que 5h d'écart. C'est le temps qu'on a mis pour venir. Wow. Ouais. T'as le cerveau... Gelé. Gelé, là, gelé. Ouais, c'est ce que je pensais, même. Il est bon, ce café. Tu as pas goûté? Si, je me suis même déjà brûlé la langue avec. On a dit chaud et c'est chaud. Et ben ça bon, ben voilà, nous voilà à Méovac. Hein. Oui. 152 km. La route était longue, mais belle, agréable. Ben, si tu veux mon avis, la première partie jusqu'à Baolac, oui. Franchement, très bien. Ouais. Ensuite, quand on est reparti, j'ai trouvé ça moyen. Et puis d'un coup, là, sur la fin, quand on a commencé, ah, parce que là, on est haut en altitude, il faudrait que je regarde à combien on est exactement. Waouh, les paysages, bah encore c'est... de nouveau extraordinaires. Ouais, c'est super chouette, vous avez peut-être vu. C'est pas les roches noires avec la végétation verte comme ça, ce petit rayon de soleil. Ben, oh, que c'était je beau. Ne sais pas s'ils l'auront vu, puisque moi j'ai pas encore non plus vu les images. Ben, t'étais en direct, toi. Oui, mais donc, bravo, les abonnés, ils voient les images que je vais monter. Ah, d'accord. Et ce d'accord. sera par rapport aux images que je vais découvrir tout à l'heure. Ah, d'accord, ça se trouve, il va pas vous les mettre. Et si c'est joli, bien sûr que si, maman. Bon voilà, c'était un petit trajet aujourd'hui. Ah ben, c'est ça, faire la boucle. Hein. C'est ça, faire la boucle, on en a parlé tout à l'heure. Oui, oui. Mais bon. C'est comme ça la vie. Exactement. On est tout bon mon week-end? Ouais, je pense que tout va bien. Très bien. On ne vous donne pas la suite du programme parce qu'à tout moment, on peut changer d'avis, vous nous connaissez. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit, les petits. Et oui, Nini. Oui. Oh, ouais. Tu te calmes, hein.